neighbors. C'est-à-dire on se retrouve pour un tout nouveau tuto pour le tuto en fait donc c'est du Honda Cube, quelque chose comme ça. Enfin c'est un modèle, un genre de scooter cross bizarre. Enfin voilà, je vous montrerai de toute façon le modèle dans la vidéo. Enfin vous l'aurez vu dans la présentation de cette vidéo. Je voulais aussi parler du créateur de ce mod parce que c'est vraiment important de mettre en avant un peu ce qu'il pourra proposer sur le jeu en fait, tout simplement, hein. Donc je suis sur le Discord officiel de Track Dayer. Je vous remettrai le lien dans la description. J'essaierai d'avoir un lien cette fois-ci limité parce qu'en fait le lien entre temps il s'est coupé on va dire, et j'ai plus du tout, j'ai sur toutes mes vidéos YouTube, j'ai plus aucun lien en fait vis-à-vis de Track Dayer, donc c'est un peu dommage, mais bon c'est pas très grave. En tout cas voilà, je vais vous montrer quelques modèles donc dans ses prochaines créations, en tout cas hein, de ce créateur. Donc on a ce modèle là, je sais pas si c'est un Oveto ou si c'est un Jogger, je sais pas du tout vraiment à quoi correspond ce modèle, mais c'est un scooter qui va arriver prochainement aussi je pense sur Track Dayer. Donc c'est un modèle qu'il a créé. Je pense que c'est des modèles qui sont quasiment même déjà finis, qu'il va poster au fur et à mesure, peut-être perfectionner avec la nouvelle physique, et puis voilà, donc c'est un modèle qui est prévu. Ensuite on a la fameuse trottinette qui est aussi prévu très prochainement sur Track Dayer. Donc c'est un modèle voilà, qui est prévu prochainement sur Track Dayer. On en avait beaucoup parlé, il y avait beaucoup de gens qui étaient intéressés par ce modèle. Donc voilà, petite info, donc ça risquerait de sortir dans les prochains temps. On a cette CR aussi qui devrait arriver dans les prochains temps, qui me semble que c'est un 250 ou un... Ouais, ça me semble que c'est un 250, après je suis pas exactement sûr du modèle, mais en tout cas c'est un modèle qui est super intéressant et qui arrivera aussi prochainement par le créateur, qui arrivera aussi prochainement sur Track Dayer. On a ce modèle là, c'est le modèle que je présente actuellement hein, dans la vidéo. Donc vous voyez que c'est un des premiers modèles déjà qui sort et qu'avec le temps il en sortira forcément d'autres parmi cette liste. On a le Suron aussi, enfin, il me semble que c'est un Suron hein, mais voilà, petite moto électrique qui arrivera aussi prochainement sur Track Dayer, donc ça fait plaisir hein. Et ce modèle là, donc voilà, pareil hein, pour les connaisseurs et les passionnés, ça peut être vraiment intéressant. Donc ce modèle aussi arrive prochainement, et on a vu aussi un petit modèle qui devrait arriver dans les prochains jours. Donc il a créé aussi des casques, il a fait pas mal de choses sur le jeu. C'est une personne qui est très active et qui va créer pas mal de contenu dans les prochains temps, et on aura peut-être accès aussi à ce modèle là donc après, pour ceux que ça intéresserait. Voilà, c'est un modèle qui probablement pourrait sortir avec le temps, mais on verra encore. En tout cas voilà, on va faire le tuto donc du Honda hein, bien évidemment. Donc donc dans la description hein, je mettrai tout simplement le lien en fait pour installer ce modèle là. Donc ça sera le Honda EZ90 by Geopanda. Donc grosse dédicace à Geopanda, merci pour tes mods. Et on va simplement l'ouvrir en fait, tout simplement. Et dans ce dossier là on aura un dossier qui s'appelle Honda-EZ90. Quand on l'ouvre, on pourra voir qu'il y a effectivement bien tous les composants de la moto. Donc faudra bien retourner en arrière pour sélectionner ce modèle là. Enfin c'est ce dossier là qu'il faudra mettre dans le dossier bike en fait, tout simplement. Donc on va aller dans les documents de notre PC, documents, Track Dayer, bike, et on va tout simplement glisser le dossier qui est juste ici dans bike. Voilà, tout simplement, on le glisse, hop, et on attend que ça charge, on fait remplacer. Bon, moi je remplace parce que j'ai déjà le modèle, mais pour ceux qui n'auront pas encore le modèle, il n'y aura pas besoin de remplacer. Et on va pouvoir lancer le jeu, c'est déjà installé, donc on voit que c'est super rapide quand même, hein, pour installer des mods, c'est vraiment pas compliqué. Et une fois le jeu lancé, donc on pourra voir que, effectivement, on aura accès à, donc dans bike en fait, tout simplement, on va aller dans bike, hein, les gars. Et on va aller tout au bout de la liste.
Et on aura bien évidemment, le Honda EZ90 juste ici. Donc modèle très intéressant pour le coup. Après voilà, chacun son point de vue. Moi je trouve qu'il est vraiment pas mal comme modèle. Après voilà, à voir dans le temps. Enfin à voir si pour vous ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs si les prochains modes de ce créateur vous plairont. Dites-moi, n'hésitez pas à me dire aussi si le Honda EZ90 vous plaît. Enfin n'hésitez pas à me dire, comme ça je peux lui donner des retours aussi. Parce que je suis en contact avec lui, donc ça fait extrêmement plaisir. Et puis voilà, c'est à peu près tout les gars. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Tout dépend de quand vous regardez cette vidéo. Je vous dis à la prochaine, la famille. Prenez soin de vous, c'est important, les gars. Ciao.